même qui a évolué dans la communauté haïtienne, qui particulièrement dans la ville de Washington, mais également qui a gagné contact avec plusieurs autres compatriotes. Comment nous recevons la nouvelle ça d'abord? Et pendant ma parler là, qui démarche ou qu'on est qui entreprend, que ce soit au niveau étatique, ou encore, alors, représentation diplomatique que nous gagnons dans la zone, ou encore dans la communauté, comment nous avons essayé à arranger pour faciliter que ça qui est capable de priorité et ça qui est malheureusement pas capable de qui ça ou est exprimé comme préoccupation. Merci pour la question. On a parlé de TPS, on a parlé de deux catégories de monde. 59 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Dans 59 000, ça, il y a 32 500 qui Floride, 5 200 qui New York, 3 400 qui New Jersey, et 2 700 qui dans Massachusetts. 59 000 Haïtiens, ça, qui vient de TPS, qui vivent aux États-Unis, il y a 27 000 qui fait aux États-Unis, qui ont nationalité américaine. 81% là-dedans, à travail, et gagnent entre 7 500 et 8 000 là-dedans qui viennent acheter caille aux États-Unis. Nous, par rapport à la décision administration américaine, nous prenons, il y a trois options devant nous. Première option, c'est une option politique. Regardez, entre Koulia et juillet 2019, à travers le Congrès des États-Unis, qui démarche que vous avez fait, particulièrement avec député et sénateur républicain tant que démocrate dans Floride, New York, New Jersey et Massachusetts pour que les gros lois ou législations qui passent dans le Congrès, je tout mets ton bail, ton petit bagage là-dedans pour Haïtien ça, 59 000 Haïtien ça. Monsieur Lucas, monsieur Lucas, allô? Makuto. Avant même que vous avancez sur le point, de souhaiter poser une question sur ça. Est-ce que démarche ça, si on démarche que Haïtien yo qui en situation difficile yo ka fè yo même ou du moins c'est à travers autorité qui gagne en fait autorité représentative qui gagne dans zone sa yo que yo capable et aller vers yo pour tes revendications qui yo même pralé entrer en contact avec élu américain sa yo pour et faire de l'alliance sur passer. Est-ce que c'est yo ka fè directement ou du moins gagne ou du moins obligatoirement il doit passer par intermédiaire sa yo nous sommes cité là? 59 000 Haïtiens qui viennent TPS dans l'État côté Oye. Par exemple, Floride a 32 500 Haïtiens qui viennent TPS. Étant donné que délégation parlementaire Floride qui vient là-dedans, sénateur et député républicain, tant que démocrate, déjà sillon l'être en faveur de tout Haïtien Sahara, servi avec délégation Floride, même bagaille fait New York, même bagaille fait New Jersey, même bagaille fait Massachusetts, montons en coalition dans le Congrès. Pour que les bons gros bagailles qui ont voté, ils ont tout fou en bagaille pour vous. Ça veut dire. Pour les gens qui ont un système politique américain, ils n'ont pas besoin de voter en bagaille pour vous spécialement. Les bons gros législations, comme vous savez aux États-Unis, spending bill, ou bien ils ont voté sous tax cut. Pendant gros bagaille ça a fait, et puis en dans tax cut, ils ont fou en bagaille pour vous tout passer. Donc, ça est premier démarche qui a fait place à travers le Congrès des États-Unis, son démarche politique. Mais faut nous intelligents. Ça veut dire que nous allons servir avec 26 élus haïtiens ou américains. Ça veut dire Congrès Women, républicain haïtien américain, mis à l'ordre. Nous allons servir à tout élu haïtien américain qui bord démocratie tout au niveau des États pour nous servir avec eux, sénateur Kimball, sénateur Raoul Kwame et Councilman. Magistrat que nous gagnons, haïtien américain qui est lui, gagne à peu près au total 26. Pasteur ou tout, père l'église, leader communautaire. Tout le monde ça a fait des marches. En dans délégation, Congressional Delegation qui sorti Florida, Massachusetts qui sorti New Jersey et New York. Sous base ça, en dans congrès, les bons gros bagailles qui ont voté, ou tout fouet par en bas, et nous gagnons entre Koulia, et probablement juin 2019. Entre Koulia et novembre l'année prochaine, puis pas impossible, non, mais la difficile en pile. Pour qui ça? Parce qu'il y a une élection en novembre. Mais chance au plus grand à partir de novembre, l'élection fin faite en novembre l'année prochaine. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas faite dans Koulia. Pour nous faire des marchés bien. Deuxième option, c'est option légale.
Moun ki gen petit ki américain yo, peut-être que avocat kabay yo ki option légale ki yo gen. Troisième option, si rien pas fait, et puis juillet mette pied, tout moun va le déporter. Donc est-ce que c'est seulement moun ki gen petit yo capable gagner accès pour gagner pour faire demande à travers avocat ou un statut légal? Ça veut dire que sous gen petit, sous gen famille, sous marié, et comme moi pas avocat, m'a kon option légale. Donc c'est un avocat ici à noir américain pour t'amander cap Donc on a monsieur Lucas, si bien comprendre, li plus facile pour un haïtien par exemple qui t'a déjà gen petit pour li appliquer pour statut légal là que nous prioriser par exemple option saute bail préalablement qui régit dans le fait que n'a surveiller que gagner des lois qui a voté dans congrès pour que nous capable solliciter bon côté des congressmen. Ronamira, on travaille sur toute option yo, on va regarder, on travaille sur toute option qui est ce bon résultat avant. Donc qui ça en pile haïtien qui ici qui gen famille ou qui frappé par décision ça capable espérer celle Lucas. Bon moi même beaucoup me son dossier m'a travaillé subi depuis 2008 ouais et nous t'ai fait gros démarches pour nous te joindre résultat après tremblement de terre 2010 donc c'est pas qu'il y a m'a travaillé sur ça donc nous t'ai fait un pile travail dans congrès pour essayer faire dossier avancer. Et bon, qu'il y a administration pour un plan contingent serré dans sous politique immigration, non seulement il y a mon TPS, mais il y a des démarches qui ont fait là, qui ont réussi. Même les gens qui ont appliqué pour résidence, il y a un problème, il n'y a pas de résidence parce qu'il y a essayé de fermer un van. Donc, c'est des dossiers pour nous garder, des dossiers ça, non seulement pour nous garder, pour nous qu'un haïtien américain qui est lié aux États-Unis, au coûte, aider nous faire des marches, et en même temps tout, et député et sénateur républicain en tant que démocrate qui proche pays d'Haïti, faut que nous-mêmes dans la communauté a nous en dialogue permanent avec eux parce que le système ici a son système représentatif tout bon, l'on parle à élu aux un résultat. Avant même nous traverser dans l'autre dossier Stanley Lucas, que de représentation diplomatique haïtienne qui dans pays les États-Unis. Est-ce que yo même yo gagné même j'ai été fait me songer que t'es gagné lettre que t'es écrit à administration Trump pour te demander tant pis s'il plaît bayon extension avec compatriotes ça puisque nous pas véritablement prêt pour nous recevoir économiquement. Est-ce que administration Jovenel la Fontan à travers représentation diplomatique li bien sûr gagner un bagage que au café là pour permettre que haïtien ça au capable rester ne serait-ce que si gagne a mettre avocat pour accompagner ou du moins c'est l'autre effort diplomatique qui t'a fait pour arriver et faciliter que citoyen ça au même pas retourner dans pays là sans que pas gagne statut légal. Bon, convention de Vienne permet que et mission diplomatique nous dans Washington fait une série de démarches dans congrès à beaucoup d'administration américaine là pour essayer de joindre un résultat mais à cause de convention de Vienne il y a des limites et qui ont pas qu'à dépasser parce que c'est quand même un pays souverain qui a décidé sous politique migratoire mais en même temps tout forme d'où que vraiment Jovenel Moïse depuis le monté il fait tout ça il est capable en matière de démarches et le ministre des Affaires étrangères a été à Washington deux fois pour rencontrer et autorité dans Homeland Security, notamment ministre de Sécurité Intérieure des États-Unis, rencontrer nous dans le département d'État et dans le Congrès pour faire des massages. Président Jovenel, en septembre, tu rencontré le président Trump. D'ailleurs, il y a un résultat et différence là. Tout l'autre pays, il y a un temps fermé TPS pour eux, il n'y a pas rien. Nous-mêmes, il y a nous 18 mois. Et sous 18 mois, si nous jouons bien, nous avons un bon résultat pour nous. Donc, ça l'indique au niveau du commun. Mais, en même temps, tout, faut reconnaître que, diplomatie, nous, on fait un erreur en janvier et mars, année ça. Et pendant que, dans le mois de janvier et mars, l'équipe M. Privé était là, je dévoile un message Washington que vous parlez pour recevoir Mounio. Faut pas oublier que, diplomatie américaine, c'est encore un éléphant qui est lié. Lui prend temps pour virer. Mais là, le fin virer, là, difficile pour faire changer de direction. Elle dit que pendant le mois de janvier, février, mars, mois d'avril, jusqu'à ce que le gouvernement et la Fontaine aient monté, le message que nous avons, c'est que nous parlons pour nous recevoir Mounio. Soit sur le website Homeland Security, ou garder le troisième paragraphe, communiqué 22 mai, je reprends le message.
si le journal vient monter, il corrige ça et défend l'intérêt 57 000 haïtiens ça. Donc, il y a une bagaille pour nous-mêmes en tant qu'haïtiens. Et dans quel que soit le camp politique que nous y a, dans le dossier diplomatique yo, et le dossier sécurité nationale, les haïtiens ne doivent pas diviser pour que le message soit consistant. Et puis, il y a une consistance dans le message à lui affecter nous. Alors même pas dans Jovenel Moïse lui-même les Montéa tout est toujours gagné des messages comme ça qui a voué comme quoi Haïti son pays qui a brûlé contre corruption pays a pratiquement stable donc tout va très bien et c'est ça on pensait que administration surfait sous lit alors administration américaine surfait sous lit pour le dire eh ben pas de problème nous capable river recevoir haïtien ça puisque président assez souvent le ligue opportunité prend la parole est toujours clair, on est ça. Au contraire, c'est le gouvernement Jovenel Moïse qui corrige ça, elle vient de monter. Il dit que c'est vrai que le pays a essayé de récupérer, mais le pays a beaucoup fin paré et au niveau économique plus fragile, surtout après des dégâts que le cyclone Mathieu fait dans 5 départements géographiques et des dégâts que Irma fait dans le nord-est, dans le nord-est pays d'Haïti. Qui a affecté près de 2000 carotaires et a affecté production, qui perdit à peu près 25% dans le nord-est. Donc, c'est Jovenel Moïse qui vient corriger ça, qui fait que au bas extension 18 mois. Si c'est pas ça, depuis le mois de mai qui se passe là, il a mis ton point final là-dedans. Alors, Léa Kouli avec nous, Monsieur Lucas, nous avons d'autres sujets pour nous aborder. Nous avons souhaité beaucoup plus bref dans les réponses pour que nous soyons capables de finir à temps. Nous connaissons l'actualité à ces TPS-là, mais c'est surtout cette question de lutte contre la corruption. Jovenel Moïse initié depuis un certain temps, c'est pratiquement un refrain qui n'embouche lui. Tout côté le passé, quel que soit le moment que l'on a pour prendre la parole, l'on a toujours fait connaître que la lutte contre la corruption, eh ben, nous gagnons parallèlement un rapport d'une commission sénatoriale qui était supposée présenter depuis le 30 novembre, pas de gagner séance malheureusement. Pour y te mettre rapport en discussion, mais nous connaissons teneur rapport là, li public, donc rapport à li indexé plusieurs personnalités de pouvoir tête calé première version, comme quoi, y a même qui t'a mal géré l'agent Petro-Caribéa, commencé sous fin mandat, ancien président de regretté de mémoire, René Préval, pour finir sous Michel-Joseph Matéli, côté gagné plusieurs personnalités, notamment comment gagner qui n'a pouvoir Jovenel là qui indexé dans cadre rapport ça comment ou même ou apprécier rapport là d'abord et qui sont gagné comme compréhension de travail et commission sénatoriale en fait. Merci pour belle question ça. Là on parle de Petro-Caribe ça ça veut dire ton programme d'Haïti et le Venezuela qui permettent nous acheter gaz là en prix les nous fin vendre ni nous qu'un bon parti dans l'argent. Nous voyons reste la Venezuela. Ça nous qu'un bien, nous bien pour nous mettre lui son période de 20 ans, quoi, un taux d'intérêt de 1%. Le programme a commencé sous le président Préval. Il y a trois présidents qui passent sous lui. Préval, Matéli et Jocelyne Brivère. Il y a six premiers ministres qui passent sous le programme, ça. Michel Pierre-Louis, Jean-Max Delrive, Gary Conny, Laurent Lamotte, Evans Paul et Enek Jean-Charles. Pendant 10 ans programme ça, total l'argent qui dépensait, c'est 1 milliard 700 millions. Allez, 10, 70 millions de dollars américains par an. Soit font rapport sérieux sous Petro-Caribe, faut dire sous chaque gouvernement, et Préval Michel Pierre-Louis, Préval Belrive, et Matéli Kouni, Matéli Lamotte, Matéli Evans Paul, et Mec Jean-Charles Privert, qui s'est bien fait, et combien l'argent qui dépensait dans s'est bien fait, yo? Qui ça qui mal fait côté gain erreur combien l'argent qui dépensé là-dedans et troisième bagage pour pas venir dans rapport qui côté l'argent dépensé puis rien pas fait et puis nèg yo c'est voler l'argent sous chaque gouvernement l'on prend rapport évalué beau plan Nenel Kassi avec Don Katoa yo pas fait travail là nous même dans pays là nous ça c'est un constat personnel. Permettez-moi ou posez mon question ma oui mais moi je ça c'est constat pas ou constat personnel. Yeah. Okay. Et moi-même, je suis un technicien de haut niveau, mieux, spécialiste en développement politique, je vais vous différents rapports. Ok. L'autre rapport, c'est un rapport qui a 119 menti, invention, fabrication, omission volontaire là-dedans. Même pas dans Yodi. Mais pour jeune, je dois aller sur page Twitter, moins
@StanleyLucas01 ou bien @commercial_StanleyLucas01 ou bien sous page Facebook moi bon PowerPoint que me présenter pour montrer 119 menti qui n'ego bail dans rapport ou pas ta font rapport sous la corruption que toi bail menti pour rapport à sentiment pour le propre pour le professionnel l'on fin découvre une femme ou bien un garçon voler l'argent l'état l'on vin avec document moun yo pa ka douce menti. C'est pour entrer dans le bail fabrication, omission volontaire ou chiré. Donc pour moi-même, rapport ça qui fait là, qui pas représenter ça pays à chercher. Faut nous un rapport qui senti bon, rapport senti bon pour professionnel là doit montrer trois bagailles. Qui bagaille qui fait bien? Est-ce que lycée Toussaint Louverture a bien fait? Est-ce que ministère de l'Intérieur bien construit? Est-ce que ministère du Commerce bien construit? Bagaille qui fait yo. Qu'il y a qui bagaille qui fait mais ont été fait si bien et combien l'argent qui dépensé? Et troisième bagaille que nous tout à cherché, nous besoin qu'on ait, sous chaque gouvernement, qui côté l'argent dépensé, projet à pas fait, faut identifier, copie chèque, comment ça a fait, qui moun qui volait, moun qui volait yo, la justice condamné yo, saisi compte en banque yo, saisi chèque yo gagne, saisi caille que yo gagne, saisi tout bien que yo gagne, voyé yo dans prison. Travail ça a pas fait. Et c'est là. Alors, bon, l'autre élément que tu as souhaité ajouter, monsieur Lucas, dans des manchois, gagner des projets, tout, que gagner des films qui étaient là pour exécuter projet, ils ont initié, ils ont commencé, gagner qui finit, mais là, on a regardé montant qui était disponible pour projet, avec des gens qui dit que quantité l'argent que, ouais, qui est disponible, ils n'ont pas sûr que ça qui fait comme travail là, lui vaut exactement l'argent qui fait là. Oui, comme vous avez dit, me faire réponse sur coût, c'est vous, ça me va rentrer. Justement. Si je bois l'argent, et pour faire 30%, et puis moi, dépenser l'argent, et puis c'est 10% qui fait, ou bien problème à l'État. Et l'État va le monde de qui prévient. Donc, dans ce sens, ça, pour moi-même, mais est tellement pressé. Parce que ça n'est qu'il y a le fait là, c'est pas la première fois qu'il y a le fait. Vous dites que, selon vous-même, les commissaires, ils sont tellement pressés que vous pas relevé ça ou ça dit là. Non, bon, c'est politique qui vient de faire et pas technique. Lorsqu'un des volets, c'est avec technicité, avec les données scientifiques qu'aucun des volets, dans tout pays du monde. Mais monsieur Lucas, permettez-moi de dire ça. Moi, je pense que chef l'État, monsieur Lucas, une seconde. Je pense que chef l'État a une bonne piste dans les affaires corruption parce que, dernièrement, moi, j'entendais que lui, t'a parlé et il dit que gagner dans affaires de surfacturation qui fait dans question exécution de projets, par exemple, construction de tronçons de route, il dit que pour volume l'argent, il présentait que, par exemple, un kilomètre route qu'on coûtait l'État haïtien. Mais lui-même, il fait à moins que ça, et il baille raison qui fait le fait, lui, et comment il fait faire. Donc, pour moi, c'est une très bonne piste qui a montré effectivement que pendant plusieurs années qui se passaient là, au gain des contrats, l'État haïtien qu'on gagne avec des firmes pour réaliser des projets de construction, effectivement, il y a eu surfacturation. Bon, comment on voulait? N'est-ce que vous blackout, yo? N'est-ce que vous recevez presque. Il y a des gens qui disent 200, il y a des gens qui disent 600 millions de dollars l'argent Petro-Caribe. Et puis, il y a un blackout qui n'a pas de rapport. Il y a un fait l'État payer 1 600 000 dollars américains par kilomètre de route. Je vous dis à l'État faire même route ça avec même qualité à 400 000 dollars américains le kilomètre. Et puis, il y a un pas de rapport. Mon cher, moi-même, je n'ai pas d'âme. On est goûté dans la valeur, sous t'es dans tête calée, ou t'es dans unité, l'espoir, ou t'as volé, ou bien son femme qui t'a volé l'argent Petro-Caribe, dans quelque soit, que politique pour y avoir, on met en bas code. Mais pas qu'un état d'âme dans le niveau ça. Parce que là, on met dans l'état comme garçon et comme femme, on met pour venir améliorer les conditions de vie du peuple là. On pas met pour venir voler. Mais, Lucas. Permettez-moi de finir. Dans ce sens ça, et beau plan, Kato, avec Nenel, il n'y a pas un pays à service, il n'y a pas de faire politique. Et c'est deuxième fois où il fait ça. Première fois, on songe, les nègres ont couru à faire Sénat, à voter, soi-disant son rapport, juge Jean-Serge Joseph, ils ont monté dans l'émission radio, dans samedi, dans votre presse, ils ont dit qu'il y a une copie autopsie, juge c'est poison qui ont été bali. Une semaine après, nous venons apprendre autopsie pour qu'on fait, les autopsies viennent faire, et nous te disons qu'il n'y a pas de poison vraiment. Et puis, nègres ont fait Sénat, voter, son paquet menti. Ok. Monsieur Lucas,
Monsieur Vika, 29 sénateurs de haut niveau. Là, mm-hmm. Faut rapport à de haut niveau. Là, vous identifiez voler, faut voler, pas qu'à 10, c'est pas vrai, ou à bâillement tissu. Ok. Monsieur Vika, je vais poser une question là. Est-ce que, ou même, en train de conscience, comme citoyen honnête, ou conscient que dans la période côté, on dit plusieurs présidents qui sont passés là, en circonscrit, par exemple, dans le mandat Préval, et Michel Martelly, et Jocelyne Privé là, que gagne gaspillage qui fait dans l'argent l'État? Bon, mon vrai, Blondine, dans 1,7 milliard qui dépensé là, on a besoin de trois qualités l'argent. L'argent côté gagne bagaille qui fait, l'argent gagne côté bagaille qui mal fait, l'argent côté l'argent dépensé puis bagaille pas fait, mais volé sous tout gouvernement. Mm-hmm. Même ça qui intéresse. Donc ça est conscient de lui. Dans trois bagailles, bagay qui intéresse plus, c'est l'argent qui dépense yo, ou bien projet qui commence yo, et puis moun nan, compagnie yon gen kob la nan meni, et puis bagay vin te projet. Mm-hmm. Nous mette tout moun te en bas kod, nan quel que soit gouvernement qui yo te ya. Mm-hmm. Mais maintenant, pour même monsieur Lucas, comment processus là t'a dû fait? Puisque on rejeté rapport là, on dit que son rapport politique. Pour même, okay. Comment processus t'a dû fait? Est-ce que rapport sans qui gagne? Raison que fait selon même ou l'état politique, c'est parce que gen moun qui te supposé la donne qui pas la donne, ou du moins moun qui la donne yo pas ta doué la donne du tout, ou du moins moun qui la donne yo insuffisant, faut que t'a ajouté l'autre moun toujours. Bien, deux bagailles. Premier bagaille là, c'est pas moi-même qui prends l'état qui dit, c'est le qui article 211 règlement intérieur Sénat. Il dit, dans quelque soit commission spéciale quoi pour monter là, faut refléter et présence moun ki nan Sénat. On parle de réalité politique qui gagne dans Sénat. C'est ça. Mm-hmm. Ça pas fait. Deuxième bagaille là, c'est ça les champs constitutionnels de responsabilité. Mm-hmm. Avec dit que gon série de détails qu'on besoin joindre dans rapport pour l'on identifier un vol, il pas dit c'est pas moi. Parce que ou tellement gagne ça les en anglais forensics. Avec dit que ou tellement joindre détails dans numéro côté l'argent aller sous qui compte en banque mon n'a pas qu'avine paraître devant ou pas songer les Paul Denis a écrit et fin faire rapport yo et là voilà ce qui te voler ou pas qu'avine dit c'est menti parce que tu gagne copie chèque ou tu gagne numéro compte en banque ou tu gagne coupe détail même besoin rapport comme ça donc c'est ça pour qui fait que rapport est incomplet donc manquer preuve ça va montrer moi sous trois présidents yo à six premiers ministres dans chaque gouvernement qui nèg qui voler par exemple vous connaissez Robert Marcelo pour qui ça nèg yo touyer Robert Marcelo. C'est parce que les nègres ont pris à l'acheter équipement pour CNE. Marcelo dit qu'il faut gagner un appel d'offres. Les nègres ont dit non, pas gagner un appel d'offres. Ils ont convoqué Marcelo dans le palais. Marcelo a quitté l'intégrité. Je dis non, moi-même, pas rentrer dans le palais. Il faut gagner un appel d'offres. Les nègres ont tué Marcelo pour ça. Mm-hmm. Puis Marcelo n'a pas de rapport. Mm-hmm. Donc, selon vous-même, manquer preuve dans le rapport qui sorti là. Pour pas son jour, où tu as parlé avec moi dans l'émission, il y a deux ans ou trois ans de ça. Ou te dit qui job nda en Haïti. Mm-hmm. De doun sa m'da gen doua mouri sou route. Mais yon nan job nda en c'est vice-premier ministre en charge de la lutte contre la corruption. Mm-hmm. Et puis m'de doun, premier côté m'da commencé, le 97 blanc volé pays, ça avait m'da commencé. Deuxième côté m'da passé, c'est à peu près 34 nek secteur privé kap pays pillé l'État depuis 25 ans. Troisième côté m'da commencé, c'est notre propre camp politique. Après ça m'da pral nan l'autre camp politique, tout nek qui volé. Là, au film, mettons en bas, on saisit tout bien qu'on gagne et puis on met l'an dans l'État. Nous avons un groupe de 20 personnes pour faire travailler ça en pays. Ok. Nous avons fait travailler ça pays. Mais là, on dit, nous besoin un groupe de 20 personnes pour faire ça. Alors que parallèlement, chef l'État, Jovenel Moïse, il dit, c'est seul lui-même qui a une formule pour lutter contre la corruption. Bon, et président correct. Et dans la lutte contre la corruption que le président a mené là, c'est tant qu'on président qui a marché. Non magasin achète ça en oui. Mm-hmm. Chaque petit bagage ou touché sous pas faire attention tout magasin en casé dans monde. Mm-hmm. Tellement corruption infernale en dedans pays a. Par exemple, l'aime monsieur était comme président et yo joine tout chèque zombie ça en dans l'état. En ou konn combien moun te yomay, l'aime si allemand un dossier électricité a. Mm-hmm. Pour une série de nèg volé dans main l'état son période de 10 ans. Nèg yo prend et presque 1 milliard, 300 millions dans l'État. Et puis c'est Blackout qui a baillé le peuple là. Mais qui prend bien l'État pour vendre le pays à l'électricité. Mm-hmm. Pour comment son jouet? Mais quand on fait un kilomètre de route à 1 million, mm-hmm. et 600 000 dollars par kilomètre, et puis l'État vient dire non, qu'a fait là 300 000 ou 400 000 dollars.
Ou pas c'est nexa ou pas mettre comme dans la ria pour mettre président. OK. Bon bonjour bagarre monsieur Lucas. Mais bonjour, on connaît ça qui toujours entraver processus en Haïti et c'est pas premier gouvernement qui après on les a fait goumer contre corruption. Problème que nous gagnons dans la société ça c'est quand il faut prendre les décisions et quand pour nous tracer les exemples. Donc c'est pas ce premier gouvernement qui a relé à bas corruption, mais pendant ce temps pas jamais gagné un vrai procès contre la corruption qui fait. Et pourquoi jamais gagné personne que nous condamner comme corrompu ou bien comme corrupteur qui dans l'État ou bien que c'est les personnalités que en pile nous connaît qui peut-être impliqué dans des bagarres louches, mais pourquoi jamais gagné un procès pour condamner quiconque. Donc bonjour, tout près nous là pendant que Jovenel initiait bataille contre corruption, eh bien c'est un scandale qui le ministère affaires sociales. Nous seulement constater que on mettait ministre là à pied, donc ministre n'est pas ministre encore, mais nous pas jamais qu'on ait résultat enquête là et qui exemple qui tracé. Donc là nous continuons dans même pratique qui était fait en voyant, on presque envie dit comme observateur que c'est même nous n'a plavé pour s'y attendre monsieur Lucas. Absolument pas, parce que sous pays fait suivi dossier à Waboueke, pas rien 2 semaines de ça. Commissaire gouvernement invité 50 reprises qui étaient dans l'affaire qui scolaire avec des détails pour collecter tout détail. Et est-ce que c'est seulement le ministre qui est impliqué? Est-ce que pas de l'autre monde qui est impliqué dans l'affaire qui scolaire? Son dossier qui a avancé. Mais pour tout gain raison, c'est vrai. Et dans le pays, chaque fois nous commençons la lutte contre la corruption, il ralentit dans le chemin, tellement corrompu, puissant et arrogant, il y a un gros moyen dans le pays. J'avais essayé de ralentir le système judiciaire par rapport à la corruption. Nous, mais regardez l'autre monde qui t'a dit tout. Monsieur Lucas, parallèlement, regardez l'autre monde qui t'a dit tout. Dossier, certaines fois qu'on campe sur tout dossier ça, parce que ça arrive que pendant qu'on cherche un indice, nous arrivons sous des personnalités ou des groupes de monde qui peut-être te financer comme pas le président, on ne sait jamais. Bon, moi-même, le président a toujours dit ça, le président n'a pas d'amis. Et Jovenel Moïse est très clair dans la question ça. Pour mettre financé dans la campagne, si quelqu'un a volé l'argent de l'État, elle l'a remis tout à la justice. Ça, je crois que Jovenel Moïse est toujours clair sur la question ça. Donc pour moi-même, lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement dans le pays volé l'argent de l'État. Par exemple, juge d'instruction, depuis longtemps, il conclut sous dossier Jean-Dominique là. L'identifier 9 personnes qui touillent Jean-Dominique. Pour lui, ça a bloqué depuis longtemps dans la Cour de cassation. Mm-hmm. Alors que le juge d'instruction fait le travail, l'identifier 9 personnes qui touillent Jean-Dominique. Donc c'est pour ça que j'ai fort lutté contre la corruption. Mais il y a plusieurs dossiers, M. Lucas. Ça, c'est une parmi toutes les dossiers. Il y a, c'est ça, Mabdou. J'ai fort pour lutter contre la corruption. Il n'y a pas qu'à un bagage partisan. Il y a une tête calée et main au sale. Même pas dans le monde menti. Il y a la valasse, mais au sale. Il y a unité, vérité, la trier, mais au sale. Il y a un secteur privé, mais au sale. Il y a un blanc qui volait 9 millions de dollars américains l'argent de construction. Comment vous voulez, il y a ça, il débaille, on compagnie. Ça revient 10 millions de dollars américains pour construire 15 000 cailles pour malheureux. On va y encraser 90 millions et puis c'est 802 cailles qui construit. Il y a un blanc qui volait tout. Non mais il fait de concert avec des hommes qui souterrain parce que pas d'accord venir conseil pour dire bah autant quantité comme. Donc par exemple compagnie dominicain, il y a compagnie dominicain qui fait ça passe à tout. Donc moi même ça m'a essayé d'où là. Pour même dans radio côté là, moi même côté mia. L'autre monde qui attend de radio là, quel que soit notre camp politique que nous y a, nous même qui pas habitué voler, faut nous mettre tête nous ensemble pour nous marrer voler ou dans quel que soit camp politique yo. Mais faut bon côté nous commencer, monsieur Lucas. Il y a un propre temps politique qui volait. Faut nous mettre en bas. Monsieur Lucas, mais faut bien le commencer. Eh bien, c'est ça, nous essayons. Alors, pas penser que, en bon dieu, pas tant de l'idée que toute œuvre humaine n'est pas capable parfait. Est-ce que pas penser que rapport ça qui sorti à c'était capable, yon, un bon début pour nous commencer à mener bataille contre corruption, même si on gagne des préoccupations qu'on exprime ou même comme citoyen la donné, et gagne de l'autre monde tout qui estime que rapport peut être incomplet ou du moins gagne approfondissement qui t'a mérité pour faire. Est-ce que selon même rapport ça, c'est pas ta, un bon début pour nous commencer un vrai procès contre la corruption?
Bon, si Nenel Kassi, Beauplan, avec Kato, pas servir à la pour avoir le fond tentative de coup d'État, dans le 119 menti, omission volontaire et fabrication, d'abord ça a un bon départ. Même marche qui fait l'autre jour, si dans marche là, il n'y a pas de corrompus très connus dans marche là, marche a réussi. Comment vous avez des gens qui volent le pays, c'est eux-mêmes qui n'ont marché, c'est eux-mêmes qui ont financé le marché. Et c'est pour ça que la société civile est saine, la société civile qui n'a pas l'empile, comment ça a commencé à mobiliser? Parce que la corruption, c'est un cancer qu'elle représente pour nous tous. Si nous ne faisons pas de gens, nous avons un pays qui n'a pas de ressources. Toutes les ressources qui sont disponibles, nous avons amélioré les conditions de vie du peuple avec les citoyens de corruption. Et c'est pour ça que je pense que ça, Jovenel Moïse, lancé là comme président, et sa société civile là, lancée à travers la société civile et l'Église, faut que nous puissions plus clarifier lui, et puis nous écarter corrompu, puis après c'est récupérer le mouvement ça pour le faire pour l'État, mais pour nous mettre dans la direction, on lutte contre la corruption réelle pour nous mettre des vols en bas, dans quel que soit le camp politique qu'il y a. Parlons de mettre en bas code et dans quel que soit camp politique mon intérêt, mais il y a des monde qui étaient capables de tout mais écoutez monsieur Lucas, nous rappelons nous gagner dossier jusqu'à présent qui pendant dans la justice ben des dossiers contre chef l'État mais dans période côté l'hypothèque même rivé président il était candidat ben gagner dossier qui était sorti sous lit comme quoi il était des soupçons de corruption jusqu'à présent dossier ça pourquoi éclairci au niveau la justice. Donc, il y a des gens qui t'a dit, mais écoutez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour qui ça, chef l'État, parenté, non, dommage côté lui-même, lui, essayer épuiser ou du moins finir avec dossier corruption qui pesait sous de l'eau, et avant même que t'a attaqué les corrompus que le dit qui bien connu dans le pays, pour que lui capable d'entamer véritablement lutte contre corruption. Bon, moi-même, moi-même, les gens parlent de ça. Et je viens tellement clair dans la question ça. Pour le débat exemple, il est allé directement par le jugement. Parce que tout le monde connaît. Même jeune nègre qui a besoin de saboter le mandat matériel, il a fait son faux passeport américain pour lui, qui n'a jamais existé. Pour Jovenel, tout le monde connaît, c'est privé qui fait montage dossier UCREF là. Et avec document à l'appui, pour montrer que jeune nègre qui a transformé en compte en goutte, il a fait goutte blanc tourner dollar américain. Tout le monde connaît dossier. Il a entré dans la banque, il a joint mounan dans la banque qui fait trafic yo, et tout le monde a aucune connexion politique et qui est-ce qui monte le dossier. Tout le monde ça. Monsieur Lucas, pardon, pas le dossier ça. Dossier Banque Interaméricaine de Développement qui te demandait pour que il rembourse l'argent à route que Agritrans te gagne pour oui, compagnie Jovenel Moïse justement te gagne pour lui exécuter dans Nord-Ouest. Même tout c'est un dossier fabriqué. Même là encore, il y a des fausses informations. Soit regarder le dossier okay. Complet par rapport à matériel loup que tu as fourni, contrat qui a été dit que Jean le fait là, et détails techniques qui baillent, il n'y a pas entre ça qu'a dit et ça la réalité liée pour ces deux bagailles. Donc, il y a deux bagailles pour faire attention. Et nous-mêmes qui voulons lutte réelle contre la corruption, ou même moi-même, on va être mon capitaine de radio, et des mouns qui fait des diversions pour lutter contre la corruption dans le pays, il n'y a pas avancé. C'est dans ça que nous prenons. Parce que bon, c'est des mouns pour moi-même. Même ça que fait dans le Sénat, pour moi-même, c'est esprit que les gens font pour que la lutte contre la corruption n'est pas une réelle. Parce que si les gens font un rapport propre, un rapport technique, un rapport scientifique, qui n'a pas de menti, invention, fabrication, ou bien c'est des gens qui ont des femmes qui ont apparu dans la figure là pour dire qu'on va voler. Parce que les gens veulent saboter la lutte contre la corruption. Pour moi-même, c'est peut-être ça qu'ils font exprès de mettre 119 menti dans le rapport. Donc, je ne même pas dans le rapport avec ça. Et c'est pour ça qui est important, nous-mêmes qui voulons les pays noirs avancer. Il ne faut pas oublier qui gouvernement qui fait nous venir faire partie de trois pays les plus corrompus du monde sur la terre à partir de 2002 dans le rapport mondial sur la corruption. C'est en 2012-2013, nous sommes 189 sous 192, nous montons sous 161. Donc, vous l'avez dit, nous pensons que pour pays avancer, pour que dans le rapport mondial sur la corruption, nous arrivons à 60, 50, si nous arrivons dans le niveau ça, avec des pays à une bonne direction. Qu'il y a moi-même, moi non, camp politique. Bien l'autre, nous t'attendons là, qui n'a l'autre camp politique. Nous ne savons pas jamais nous voler. Qui j'en nous-mêmes, qui n'a jamais nous voler, qui n'a camp politique différent, nous qu'à mettre tête nous ensemble pour nous marrer voler. Mais nous ne pouvons pas marrer voler, dans le bâillement, qui n'a radio, dans la fabrication, non? Avec bon gens, dossier technique, copie, chèque, numéro, compte en banque, pour nous recevoir comme pour faire pour jouer, pas faire, nous mettons en bas. Comment nous va faire?
pour ça nous pas un sommet national sur la corruption. Mm-hmm. Pour nous mettre tout d'accord qui j'en pour marrer quel que soit nèg ou femme qui vole dans quel que soit gouvernement n'a mettre dans d'accord. Pour ça nous pas faire consensus ça. Et puis pays avancer. Eh bien, d'accord, il était pour remercier Stanley Lucas, puisque il a vraiment arrivé fort nous bailler cette programmation. Bah, quel est ce dernier mot que tu as ajouté sur ça, puisque nous pas fermer interview. Bon, c'est un plaisir pour discuter avec vous de dossiers qui est important pour le pays. Et premier dossier qui c'est TPS avec option qui vient là-dedans. Deuxième dossier, c'est Petro-Caribe en même temps, tout l'ouvrir, on s'y fait naître sous corruption, qui sont un cancer pour le pays. Et qui sont peut-être que, quel que soit nous-mêmes qui n'avons pas politique, et nous pas d'accord, et nous cachitons ensemble pour nous discuter, qui sont pour nous mettre mon capier l'État, qui est dans le secteur privé, qui est dans la société civile, qui est dans le Parlement, qui est dans le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Comment nous mettre mon cher en d'accord depuis saisir l'argent qui est volé dans l'État? Donc moi-même, pour les jeunes qui voulaient continuer la discussion avec moi, je me suis toujours mis des documents pour mon avec mes livres. Je vais aller checker moi sur Twitter, adresse Twitter moi c'est @tandelika01 ou bien @commercial_tandelika01 ou bien sur page Facebook. Moi souhaite un très bon week-end ou même avec tout auditeur qui a suivi la radio. Ça, bon Dieu, de nous, qu'on est là. Voilà, merci beaucoup Stanley Lucas.